Bien, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto car parking 2022. Comment se faire les couilles en l'air dans ce jeu? Donc, pour ce faire, ce jeu est un open world. En fait, la base, c'est les voitures, hein. Se promener dans la ville, faire des courses, plein d'événements et plein de choses qui tournent autour de ça. Donc on peut aussi également vendre sa voiture, quelque chose que je n'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Donc à tout de suite. Donc comment se faire de l'argent dans ce jeu? Pour commencer, nous allons sur le mode start. Nous avons le mode level sur la gauche et le mode online sur la droite. Nous allons dans le mode level Easy Parking. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y a un petit jeune qui a expliqué ça mieux que moi et informatisé, c'est-à-dire automatisé le tout. En ayant un curseur par ordre, c'est-à-dire que vous allez comprendre, mode numéro 1, avancer, mode numéro 2, restart. Oui, voilà. Donc moi, pour ma part, je dois faire ça manuellement. Donc, c'est parti. Vous allez comprendre, accélérer. Le deuxième, c'est replay et je recommence. Donc là, ça me fait 1000 euros, ça me fait 2000 dollars, pardon. Et hop là, je recommence. Ça fait 3000. Vous comprenez un peu le truc, mais lui, il a automatisé tout ça grâce à une application. Ouais, c'est un petit hacker, il sait pas, mais c'est un petit hacker. Mais moi aussi, mais bon, en mode manuel. Donc les gars, une petite parenthèse, j'avais 200 000 dollars. Et j'ai acheté une BMW, ça me plaisait pas, je l'ai transposé sur le parquet en question, fait pour. Mais malheureusement, j'ai dû attendre beaucoup de temps avant que quelqu'un se manifeste alors que personne s'est manifesté. C'est-à-dire, faites cette méthode 50 fois et vous recevrez 50 000 dollars. Chouette, non? Donc les gars, vous avez tout compris. Donc là, j'ai reçu 1080 dollars. Donc, si vous ne pouvez pas télécharger cet APK, que ce petit jeune nous expliquait dans la vidéo, n'hésitez pas à faire ça en mode manuel. Tout simplement, je mettrai le lien de sa vidéo dans la vidéo. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite joyeux Noël et à la prochaine pour une prochaine vidéo.